Yep les potes, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, ça y est, c'est bon, j'ai fini ma période de branle-couille. Je l'ai déjà dit, de toute façon, dans les commentaires, vous avez été trop flex avec moi. Vous avez été là. Ouais, c'est bon, Zach, t'inquiète, tu peux rien branler. Ah ouais? Je peux rien branler? Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, un petit peu en retard. Moi, pour ma part, bon, ça va, c'était cool, hein. De toute façon, j'ai envie de te dire que j'ai passé un super réveillon du nouvel an. D'ailleurs, je sais pas si on dit réveillon du nouvel an ou pas, si réveillon ça va que pour Noël ou si ça s'applique aussi au nouvel an. Non, parce que réveillon, la seule chose qui te réveille au nouvel an, c'est le rhum et la bière, hein. Donc, on soit bien d'accord, il n'y a pas autre chose d'autre que le whisky coca qui te réveille correctement au nouvel an. En plus, j'ai vu, il y a beaucoup de personnes, elles sont là. Ouais, moi, j'ai pas pensé forcément une bonne année 2019, machin, etc. Je ne suis pas concerné. Hein. Personnellement, j'ai passé une très très belle année 2019. C'est en grande partie grâce à vous et je vous remercie. D'ailleurs, dédicace, hein, Radio Sexe, voilà, je mets le pull en dédicace parce qu'on vient d'annoncer la fin de l'émission pour certaines raisons. Je vous laisserai aller sur les différents réseaux de la radio. Je fais pas cette vidéo pour en parler. Mais voilà, c'était histoire de faire quelque chose qui m'a tenu à cœur et qui a pas mal animé mon année. Bon, du coup, aujourd'hui, on va aller sur Modern Warfare. Oh! Je me faisais une petite remarque, je me disais putain, on est encore 2 mois après la sortie du jeu et je peux encore faire des petites vidéos comme ça et tout, c'est cool, tu vois. Bref, on va aller sur Modern Warfare, d'accord. Et aujourd'hui, je vais tester, bah je pense que tu l'as vu de toute façon dans le titre de la vidéo, je vais tester la classe de Korean Savage. Alors, Korean Savage, qui est-ce que c'est? Bah, c'est un coréen. Coréen, c'est drôle, Zach. Hein. Bon, bref, c'est un coréen. Ouais, je vais pas m'arrêter. Hein. C'est un gars. C'est un gars qui est trop chaud sur Modern Warfare. Voilà, c'est un américain. Et le gars est chaud. Bon, il y a pas mal de personnes qui l'accusent de reverse boost. Hein. C'est bon, je vais pas vous redire ce que c'est. C'est grosso modo quand tu détruis tes parties pour tomber face à des merdes. Mais au-delà de ça, le mec est super chaud. Et il a fait une vidéo, j'ai vu, sur une des meilleures classes qu'il préconise selon lui. Parce que lui, grosso modo, c'est un gars qui fait des nuques, double nuque, triple nuque, tout ce que tu veux. Donc moi, je me suis dit, bah tiens, suceur que je suis, Peggy 18. On va aller reprendre sa classe et la tester. Donc voici la bête, hein, que vous avez sous les yeux. C'est une M4 avec les munitions SOCOM. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bah vous le voyez, vous rajoutez des dégâts et de la portée. Mais par contre derrière, t'as que 10 balles dans le chargeur. C'est pour ça qu'on met à tout tour de passe-passe. Voilà, cross, viseur, bande poignée, pointillé. C'est pas grand chose de spécial. Et t'es obligé de tout l'adapter. Moi j'ai dit que je prenais toute sa classe. Moi c'est simple, c'est soit tout ou rien. C'est comme pendant le sexe. Tout ou rien, on fait pas que les prélits. Donc avec ça, j'ai pris des mineurs, livraison express survolté, c'est simple, c'est sa classe. Je me suis pas cassé les couilles, pareil pour la mine de proximité. Ce qui veut dire que c'est quand même un peu un enfoiré. Et enfin, lui, alors encore pire, lui, il prend le 357 version fusil à pompe, sauf que tu le vois sur mon compte, je l'ai pas. Et je suis pas allé gratter le compte de Pierre, Paul ou Jacques cette fois-ci. Donc je vais prendre le Deagle. Bon écoute, trêve de bavardage, c'est parti. Bon là, je joue sur console, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Mais ça me fait plaisir de retourner un petit peu sur console aussi. Hein. Sur PC, c'est cool, mais je vous l'ai déjà dit, ils sont trop cocaïnés, frère. Alors certes, la cocaïne, c'est excellent. Je veux bien l'entendre. Oh là là, attends, le petit double là, c'était quoi ça? En plus, attends, non, je vais pas dire que la cocaïne c'est excellent, allez vous faire foutre. Mais moi j'ai envie de jouer un peu moins énervé que les joueurs PC là, ils m'énervent. En fait, ça me fume à quel point, tu vois, sur à peu près tous les sujets, tu vas avoir des avis qui sont généraux de gens qui s'y connaissent pas nécessairement, mais c'est pas méchant, tu vois. Mais des avis un peu généraux que tu peux retrouver partout et qui sont un petit peu drôles, tu vois. Comme par exemple, l'autre jour, je vais à Bourg-en-Bresse, tu vois. D'ailleurs, petite charmante ville, hein, si j'ai des bourgeois, je sais pas comment on vous appelle les gens de Bourg-en-Bresse. Hein. Si j'ai Bourg-Bressans, des Bressans? Des Bressans? Peut-être des Bressans. Des Bressons, des Bressons. Si j'ai des Bressons là dans mes abonnés, sachez que votre ville est charmante. Voilà, je dirais pas que c'est la meilleure ville du monde, mais elle est charmante. T'as vu, tu fais des compliments comme ça aux abonnés, comme ça ils te mettent des likes sur tes vidéos. Youhou. Et tu vois, je prends un covoiturage, parce qu'en gros j'avais pas le choix, j'ai dû prendre un covoiturage. Ça faisait des années que j'avais pas pris un covoiturage, frérot. Moi j'aime bien le train, j'aime bien l'avion, aucun problème. J'ai même un pote à moi, tu vois, qui a plutôt peur de l'avion. Moi je m'en bats les couilles, l'avion, je suis serein détente, tu vois. Et moi la voiture, ça me casse les couilles. Et donc je prends un covoiturage, parce que j'avais pas le choix. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, attends, tu sais pourquoi je prends cette boîte de munitions? Parce que frère, 10 balles dans le chargeur, t'as vite plus de balles. Hein. Hashtag analyse. Là, je t'ai dit 1 plus 1 égale 2. Hein. Ils sont où les types là? Je suis sur Shutout, j'ai vu personne depuis je sais pas combien de temps. Donc je tombe sur un professeur, tu vois, le classique, hein, 35 ans, sympathique au demeurant, donc je me foutrais pas de sa gueule, tu vois, vraiment, tu sais, c'était ce qu'on peut appeler un brave type, tu vois. Il y a des gens, c'est des braves types, il y a des gens, c'est des enculés. Moi, je suis un enculé, lui, c'est un brave type. Wow, sa mère, on recharge. Et donc tu vois, il essaye de me parler, moi je lui dis que je vais pour le match et tout. Donc lui, tu sais, c'est typique le genre de gars, vous connaissez, tu vois, le genre de gars qui par exemple, ne suit pas trop le football. Donc il va pas spécialement avoir d'avis, juste il va te dire des généralités. Et c'est pas méchant, je me fous pas de sa gueule. Mais par exemple, c'est le type, il dit, ouais, Ibrahimovic, je le trouve vraiment arrogant. Après ça, c'est un avis qui se défend. Mais tu vois, le genre de truc, ouais, la Coupe du Monde, c'est cool, c'est dommage, ça casse des trucs, alors qu'avant, ça le faisait pas, machin. En soi, ça fait pas des avis ni faux
drôle ni méchant, j'en discute même pas, c'est des avis un peu généralistes, quoi, tu vois, que tout un chacun, que la mère de famille peut avoir, tu vois. Oh. Attention, je suis en série de plus de 10, là. 10 ou 11. Attention, il va me manquer. Il va me manquer un kill. En fait, j'ai envie que le drone avancé me chalasse. Oh, j'ai eu le kill avant? J'ai eu le kill avant ou pas? Non, j'ai pas eu le kill! J'ai pas eu le kill, c'est trop injuste, putain, non! Non! Bon, avec son C4 de merde, sale chien! Oh là là, le double, le double! Je suis pas mort. Et donc pour revenir à ce que je voulais dire, un petit peu à l'image d'un joueur foot pro, tu vois, qui arrête et qui au bout de, je sais pas, 2-3 ans commence à avoir des pieds palmés tout simplement parce qu'il a plus l'habitude. Bah c'est un petit peu pareil. Moi la dernière année où j'ai squatté Call of Duty c'était en 2016, donc forcément depuis je suis moins bon. Mais en ce moment je joue beaucoup plus et je reprends un petit peu du niveau, tu vois, donc ça me fait plaisir. I am happy, tu sais, d'être, je fais les efforts et que je redeviens un petit peu plus chaud qu'avant, tu vois. C'est cool. La satisfaction est présente, les amis. D'ailleurs, ça va me permettre de pouvoir vous annoncer des choses sur ma chaîne YouTube qui vont arriver. Des choses qui vont vous faire plaisir, qui ont pu vous faire plaisir déjà par le passé. Donc, dans un premier temps, je vais vous annoncer l'arrivée d'une série YouTube, d'accord, issue, donc bien montée, etc. Ouh la merde! Boum! 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 Oh, j'ai pas fait un kill, sa mère. Une série YouTube issue d'un truc que je fais avec Zidar. Voilà. Donc, je sais que vous avez déjà aimé les vidéos que... Aïe. Oh là là, ce que t'as pris, toi, que je faisais avec Zidar. C'est Tandax, frère. C'est Tandax. C'est pas tendu, c'est Tandax. Tandax. Tandax, on a dit. Tandax, on a dit. Donc ça va être une série YouTube avec Zidar, voilà, j'hésite encore au format que je vais faire, je sais pas si j'en fais une grosse vidéo ou plusieurs épisodes, donc à vous de me dire. Moi je pensais peut-être en faire plusieurs vidéos, donc je sollicite votre avis les frères. C'est un défi qu'on veut se mettre sur quelques semaines, ça risque d'être très dur, voire même quasi impossible, mais on veut essayer. C'est un road to 100-0 en escarmouche, donc c'est-à-dire en 2v2, essayer de péter un 100-0, et moi je vous mets des vidéos condensées, genre on va dire, allez, un épisode par semaine de ça, tu vois, vous pouvez... Oh, il a spawn juste là! Mais c'est quoi ce spawn de fils de pute? Regardez! Je le tue juste là, c'est de la merde! J'ai le sub. Je vais pas réussir à avoir mon drone avancé. Oh, c'est dommage. Ils sont plus de 4 en plus. Regarde. Donc soit je vous pète un épisode par semaine de ça, soit je vous pète une vidéo généraliste de tout le truc. Donc voilà, donc on va essayer d'aller en 100-0 comme ça en stream en 2v2. Donc c'est assez cool, déjà il y a eu la première session qui s'est passée. Spoiler, on est en 7-0 pour l'instant. Voilà. Donc, on est mort une première fois, enfin on a perdu un 2v2 en 6-0 et on a réussi à remonter et à être en 7-0. Du coup c'est plutôt pas mal. Bon, 27 kills, je suis le premier de ma team, c'est lourd. Oh le bâtard! Donc dans un premier temps il y a cette série là, voilà, qui fait plaisir, c'est un petit peu le retour de celle-ci. Oh le gamin, il savait que j'étais là, regardez-moi. Attends, je vais utiliser un petit peu plus ça, genre je vais mettre ça là, tu vois, regarde, hop. Là ensuite tu fais ça, et là tu vas en enfer parce que du coup en faisant ça, et bah t'as deux Betty bondissantes. Et là c'est pas Betty la bondissante, c'est Betty la grosse pute. Hop, on ferme la porte. Si j'étais vraiment un chien, et genre un chien d'eau de haute volée. Oh le chien! Je ferai derrière la porte, sauf que tu vois, je veux bien être un chien, mais doucement quand même. Oh là là, regarde, tu mets vraiment des deux balles avec cette classe, c'est un truc de ouf. Et donc, dans un second temps, une deuxième série appréciée par ces messieurs, par ces gens, c'est la série FM Multi. Voilà les gars, ouh! Donc je l'avais fait l'an dernier, et il y en avait pas mal qui avaient laissé leur chance à FM, etc. Et qui au final avaient bien kiffé la série. Le montage est cool, même si vous ne comprenez pas le jeu, vous pouvez kiffer la chose. C'est fait pas avec spécialement les mêmes membres que l'an dernier, enfin si, quelques-uns quand même. Et voilà, donc ça sortira, donc les prochaines semaines sur ma chaîne seront entre vidéos classiques que je peux faire comme ça, tu vois, en mode gameplay. Parce que notamment je sais qu'il y a la saison 2 qui va pas trop tarder du pass de combat, donc si vous voudrez dire nouvelles armes, nouvelles maps... plein de trucs archi cool, tu vois. Donc entre vidéos un peu plus classiques, vlog aussi, je vais en fin de semaine là tout de suite en Pologne, donc j'avais envie de vous ramener avec moi et faire découvrir un peu le pays, tu vois, je vais à Cracovie. Bon, je tiens à mettre un petit disclaimer. J'ai quitté la partie d'avant et parce qu'un type est rentré, a campé sa mère, a eu des hélicos, etc. Ça commençait à devenir vite injouable. Alors qu'en plus, j'étais en train de vous faire de la propagande des hauts niveaux, là. Ah ouais, je vous mettais un petit peu l'eau à la bouche sur ce qui arrive sur la chaîne dans les prochaines semaines. Même moi, j'ai bandé. Même moi, j'ai vu ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai fait, attends. Là, ça fait plaisir. Donc, du coup, au niveau du programme, on va retrouver quoi sur la chaîne? Donc, je vous ai dit, la série FM, la série 2v2 avec Zidar que j'ai envie de faire. Et donc, où j'attends également votre avis sur la manière de le
le faire. Et il va avoir quoi également? Ah oui, un petit vlog pour la Pologne, où je suis chaud, là, je vais à Cracovie en fin de semaine. En plus, il est avec madame, tu vois, mais je vous la montrerai pas spécialement, mais c'est juste histoire d'eux. Dommage! Le petit kill a été stylé, le petit kill était stylé. C'est dommage en fait que t'aies peu de balles avec. Et également, soon, des retours de contenu un peu plus IRL, comme on faisait avec Joël il y a quelques mois. Comme par exemple le micro-trottoir sur la géographie, quand on a cuisiné des pizzas ou... Oh le bâtard! Quand on a cuisiné des pizzas ou quand on faisait des vidéos à la salle, bref. Ça fait plaisir, contrairement à ce spawn de cul, frère. En plus, je peux pas hurler là. J'ai ma mère, elle dort, frère. Je fais des vidéos à 1h du matin, bah ouais. On est sur une journée pleine, stream sale vidéo, on est là, frère. Ces joueurs me dégoûtent. Allez, on commence une petite série. Sale fils de pute, va. En plus, en étant parfaitement honnête, là, tu vois, j'ai changé les streaks entre les deux parties. La série de 12 sans... le drone, là, elle m'a traumatisé. Pas tous les jours que je fais des séries de 12 en vidéo, et en plus, je suis pas récompensé. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe, frérot. Ok, très bien, série de 6. On va tenter la dame, mes amis. Série de 7. Non, je vous jure, j'y ai mis du cœur cette vidéo. Je me suis surpris à quelques fois, etc. J'ai dit, je veux leur faire un beau gameplay, oh, frérot. Let's go, Adav. Putain de merde, ça fait plaisir. On va leur caler un Adav dans leur mère, là, tout de suite. Adav ennemi, mais non. T'as pas le droit, frère. En plus, on a eu les streaks à peu près au même moment. Oh, comment je suis déçu, on a eu les streaks au même moment. Il a eu sa frappe de précision en même temps que moi. Frère, je me retrouve, j'ai un cousin, j'ai des cousins. Des gens que j'ai fait de mes couilles, vous sortez de mes testicules, les gars. Pas toujours épilés, hein. Qu'on s'entende. Hop là. On attend que la dave ennemi parte avant de quitter cette zone, hein, je vous le dis. Alors moi, je l'annonce, comme ça j'ai pas votre torrent de larmes. En plus, petite série de 10, ça fait plaisir. La dave y part, je retourne la game. La dave part, je retourne la game, ok. Là, 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 j'attends juste que la dave y part. Dès qu'il part, je retourne la game. Un peu comme des bonhommes, ils attendent dès que la balle famille part, je retourne la fille. Non. C'est pas exactement pareil. Ah, la DAF part, ça y est. Il reste du temps, il reste du temps. Par contre, mes alliés s'en battent vraiment les couilles, l'objectif. Bon, ça leur fait un point commun avec moi, du coup, je suppose. Adav ennemi, non, 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 deux Adav, non, je suis désolé, non, mais baiser vomir, putain, vas-y, vie de ma mère, je le détruis celui-là. Hey, c'est quoi ça? Comment ça, deux Adav? En plus, je peux même pas faire confiance à ces alliés de merde. Bon. Je jure, je le détruis, gros, je suis un gamin. Oui, ça y est, oui, the champions. Allez, boum. Voilà, frère, c'est bon. Ah non, là, je suis un rageux, là. Là, j'allais bouder. Là, tu me donnes envie de bouder, toi. Oh là, dégage, toi, s'il te plaît. Parlez bien avec votre daron. Parlez bien avec votre daron, oui. Regardez-moi ce chien. Parlez bien avec papa. Mon adaf fait 0 kill. Enfin, suffisait de le dire. Oh. Oh, petit drone. Allez, go dedans, frère, vous campez trop. On joue pas assez l'objectif. Vas-y, tu sais quoi, je vais me mettre à jouer l'objectif. Là, 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 on reprend les 15 points, on revient. Là, je fais tout, frère, je suis au four, au moulin. Comme le mec qui cuisine pour un rendez-vous Tinder. Les efforts viennent de tous les côtés, série de 5, c'est bien. Allez, let's go, on va au next. Non, merde, 20 secondes. Attends. Hop. Non, merde, j'ai mis ma frappe. Oh, j'ai mis ma propre frappe, je suis un gros con. Je vais mourir parce que c'est ma propre frappe sur le point. Regardez l'idiot que je suis. Quand je vais mourir, là, je vais passer pour un camel steam. Pour le mec le plus con de France. Quand je vais mourir, je vais être l'homme le plus con de France, je vous le dis. Putain! Et les autres, ils vont pas dessus, frère. Vous me dégoûtez, mes alliés, vous me dégoûtez. Bon, après, ça va. Enfin, c'est les mecs en face. On prend aussi. On tient le point stratégique. Merde! Non, j'allais rentrer dedans. Dommage. Bon, malheureusement, on a perdu. Regardez, je suis le premier avec 40 secondes dans le point. 2 secondes, 6 secondes. Vous dégoûtez, un minimum. Je veux bien que tu joues tes kills, mais un minimum. Bon, en tout cas, cette classe est validée par toutes les cités de France et de Navarre. Voilà, 26-8, la première partie était également coolos. Bon, et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.